8 éoliennes géantes surplombent le bocage où sont installées les 3 exploitations impactées. Depuis la mise en service en 2012, les problèmes s'accumulent sur l'élevage. Ici, une excroissance inexpliquée. Là, une difficulté à marcher. Des animaux qui finiront prématurément à l'abattoir. Depuis 7 ans, donc, on perd entre 50 et 60 animaux par an. Ce qui fait qu'on est rendu à peu près 330 animaux. Et puis ça continue. D'un point de vue sanitaire, une vingtaine d'expertises ont dédouané l'élevage de Didier Potiron. Malgré tout, l'entreprise qui gère le parc éolien fait la sourde oreille. Même chose 150 km plus loin, dans le sud de la Sarthe, 30% d'infertilité chez les vaches bio et des poulets qui ne grossissent pas à moins de 100 mètres d'une antenne 4G. Dans les deux cas, les pouvoirs publics ne réagissent pas. On nous répond qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent la nocivité des ondes électromagnétiques. Et que donc, on n'est pas toujours cru par rapport à ce qu'on dit. À Nozay, les éleveurs pensent que les ondes électromagnétiques se propagent dans le sol, car le câble qui relie les éoliennes au réseau électrique est mal isolé. Si on arrive à prouver sur le site de Nozay-Puceul qu'il y a un souci avec l'éolien, ça remet tout en cause. Donc la question, c'est est-ce qu'on ne fait pas traîner volontairement ? Tous ces éleveurs sont eux-mêmes physiquement impactés. 2 plaintes collectives seront déposées, dont une pour mise en danger de la vie d'autrui. Viens là, viens là, viens, viens là.